juste un dernier conseil, laissez le temps à l'invité de répondre aux questions avant d'enchaîner sur la suivante. Et ouais, détendez-vous un petit peu quand vous faites les interviews. Franchement, c'est super intéressant ce que vous faites, mais c'est normal, il y a encore des marques à prendre et ça va sortir petit à petit. That's true, but Mercedes have such a strong package this year, it would surely be a mistake to rule them out of the chance of winning. Allez, actuellement, on est 6 sur Twitch et 14 sur YouTube. It's also extremely hard on brakes, so it's all to play for in today's session. Oui, Racing News était mieux au niveau de Maxou, hein, mais alors après, je me rappelle jamais, j'ai du mal avec vos deux pseudos. Parce que vous parliez en plus sous le nom de Racing News sur mes lives, mais il y en a un de vous deux et il faut qu'il laisse plus de temps pour pouvoir que l'invité ait fini de répondre entre chaque question. Mais sinon, oui, il n'y a pas de souci. Alors, les pneus. Fred qui demande si je suis content de... Oui, je suis content qu'ils remettent les anciens formats de qualif. Parce que pour moi, même si j'ai pas regardé les qualifs, hein, pour tout vous dire. Et c'est vrai que je trouve un peu idiot ce nouveau format de qualif. C'est un peu injuste pour certains pilotes. Donc... je trouve que c'est pas mal qu'ils aient finalement réussi à faire remettre l'ancienne règle. Parce que là, plutôt que de donner du spectacle, c'était tuer encore un petit peu plus la discipline. Allez, on attaque comme un dingue. You're currently on the front row of the grid. On se souvient, il y a deux ans, le terrible accrochage qu'il y avait eu entre Pérez et Massa, hein, sur ce circuit, juste au bout de la ligne droite de départ arrivé, avant la première chicane. Terrible accident, hein, où on a eu très peur pour Massa. Through the first two sectors.
Bon, normalement, tu devrais te qualifier avec des primes. On va essayer. Tu as un beau rythme avec les primes, l'auto marche bien, on verra ce que ça va donner en Q2 avec les super temps. Racing News, donc j'étais en train de regarder ce que vous mettiez. Bah écoute, non, mais il n'y a pas de. Faut pas s'affoler. Hein. Je sais que c'est petit à petit que vous allez prendre des abonnés d'une part, et puis vous allez prendre vos marques et vos petits repères, et ça va devenir tout à fait naturel et fluide au niveau des interviews. Ça sera. Ça viendra petit à petit, faut pas s'affoler. Mais déjà, vous avez pu avoir Maxou Pilote qui a pris du temps pour vous pour venir faire cette interview, je trouve que c'est cool. Ouais Cyril, effectivement, j'arrive un peu vite sur l'épingle. Mais c'est vrai que j'ai quelques 104 de temps en temps, mais bon, rien d'affolant. Ouais, je pense que j'irai pas ressortir. À mon avis, mon temps devrait tenir jusqu'au bout. Passion 24 heures, quelle course, chapeau. Quelle course, je pense que. Tu parles de la course de ce matin. Alors, actuellement, on est 17 sur YouTube et 10 sur Twitch. On en est à 27 viewers au total. Merci à tous, bravo. Ce nouveau, on n'est pas loin de battre le record, hein. On a encore une petite dizaine de viewers à prendre
pour pouvoir battre le record. Je vous invite à partager en masse hein, sur, sur vos réseaux sociaux. Et ce soir, on fait péter les chiffres. Hein. Maxence, tu me dis que ça lag. Bah écoute, si vous êtes plusieurs à me dire que ça lag, on baissera la résolution. Mais pour l'instant... Ouais, Vettel a fait un super départ, ouais, c'était magnifique. Les deux Ferrari ont laissé sur place les deux Mercedes. Après, on a failli avoir encore la situation inversée par rapport à Spa entre, entre Rosberg et Hamilton, le coup de la crevure de pneus avec l'aileron avant. Mais finalement, ça va, c'est resté sans incident, donc tant mieux. Après, ce que je voulais souligner à CNews par rapport à Max ou le pilote, c'est que c'est vrai que maintenant il a une certaine notoriété et j'en parle assez souvent. Mais de temps en temps, un petit coup de pouce d'un youtubeur qui a une certaine notoriété, pardon, je trouvais plus mes mots. De temps en temps, il suffit qu'il fasse un petit coucou en disant ah, allez voir la chaîne d'un tel, ça fait plaisir, il fait des trucs, il mérite, ou je sais pas, enfin voilà, peu importe, enfin, bien sûr, dans la mesure où il le pense. Ça fait, enfin, je pense que c'est la base de l'entraide sur les réseaux comme YouTube et Twitch et tout ça, c'est important, je trouve. Oui Maxence, j'ai capté, ouais, effectivement j'ai des petits lags dans le jeu, je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être parce que je stream et que du coup mon logiciel de streaming me prend un petit peu de ressources. Peut-être mon logiciel de streaming qui me prend un peu trop de ressources. Ah, Black Deer aussi était un grand youtubeur, hein. C'était un des pionniers qui a fait du commentary sur les jeux de F1 et il le faisait avec brio et du haut de ses 17 ans il avait une voix de papa et c'est ce qui m'a bluffé quand je lui ai parlé la première fois sur Skype. Je m'attendais pas, je pensais que c'était un papa qui avait déjà une trentaine d'années et puis quand il m'a dit son âge je suis resté bluffé en fait. Titanium, en fait j'en ai parlé en début du live, ce que je pense de l'accident c'est qu'il y a une part de responsabilité sur les deux pilotes, Alonso s'est décalé un petit peu tard, et Gutiérrez bah, il a fait un petit mouvement de décalage sur la gauche, ce que je trouve assez étrange, et voilà. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'accident entre Massa et Pérez, hein, il y a 2 ans ici au Canada, donc bon. Alors je le rappelle, hein, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début du live, cette semaine débute la team Déjanté qui lance sa Web TV. Et donc c'est une petite équipe qui aime faire du gameplay, qui aime bien partager, dont Paddock fait partie, et c'est d'ailleurs Paddock qui m'a, comment on dit, démarché. On peut dire. Ouais, ça. Débauché. Débauché, tant mieux. Et du coup, j'ai rejoint cette équipe de Joyeux Luron. Et puis, donc, cette semaine débute la Web TV. Et donc, allez sur la page de Paddock, vous trouverez le lien de la Web TV sur Twitch. Et puis, dès demain, vous allez pouvoir trouver le chef, Hiltoa, qui va nous faire un live. Je sais pas sur quoi encore, mais. Ouais, non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, les hostilités attaquent officiellement demain, et puis tout au long de la semaine, vous aurez des streamers qui viendront vous faire du gameplay d'un peu de tout. Paddock va vous proposer du Trackmania cette semaine. Pour ma part, j'ai pas encore bien statué sur quoi je ferai mes lives, mais vous me retrouvez en tout cas mercredi et dimanche prochain. Voilà, donc Paddock vous met sur Twitch et sur YouTube le lien de la chaîne de la team Déjanté, donc n'hésitez pas à les follow. Parce que je croyais qu'il était sur ma page, mais il y a pas en fait. D'accord, bah parfait, moi depuis tout à l'heure je fais de la publicité étrangère, donc c'est nickel. Ouais, quand tu t'entends dire ça, je vais aller voir. Car du coup, tu vois, il y a les mecs sur YouTube, ils sont tous barrés. Ah, ça leur a fait peur. Non, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ah, il y a Blue Max qui nous a rejoint sur le live. Salut à toi, Blue Max.
Je le vois sur Twitch, mais je le vois pas sur mon logiciel de le restream qui me fait les deux. Ouais, il y a un petit décalage, j'ai remarqué. Ouais. Alors, la fameuse question idiote que je me pose, y aura-t-il des rediffs sur YouTube? Allez, Padoc, je te laisse répondre. Ah, pour la. Ouais, il y aura des rediffs sur la chaîne officielle de la Team Déjantée. Et en fait, chaque streamer aura sa playlist. Et donc, pour chaque streamer, vous aurez la playlist des rediffs des lives qu'il aura fait. Et donc, vous pourrez regarder des rediffs d'un des streamers ou tous les streamers, c'est selon vos envies, selon vos affinités. Par rapport à ce que vous proposez l'équipe. Je vais leur mettre la chaîne YouTube aussi. Hop. Alors, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de followers ce soir. C'est calme. Il y a des jours où c'est calme, il y a des jours où ça l'enchaîne. Donc il y a le choix de la qualité sur la chaîne de la team. Sur Twitch, non, on sera en source d'office. Ouais, ça sera peut-être. Ça dépend le succès de la chaîne. Hein. Après, s'il y a régulièrement des viewers et qu'on a le quota, la chaîne pourra passer en premium et à ce moment-là, il y aura la sélection de la qualité. Je crois qu'il faut 50 viewers minimum, je crois, sur 2 mois, je crois, 3 mois. Par stream. Ouais. Mm-hmm. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut être dans les 100 premiers viewers, streamers. C'est un sacré business. Ouais, c'est clair. Gutiérrez doit-il être suspendu pendant un ou deux GP? Non, mais je dirais peut-être des pénalités de place. Racing News, tu aimerais avoir des Black Deer en interview? M'étonne. Alors, ça me semble compliqué. J'ai essayé à nombreuses reprises de l'avoir pendant mes lives. Ça fait plusieurs mois que je le démarche et que j'essaye de. Mais à chaque fois, il est très très occupé. Et donc, ça me semble compromis. Je suis désolé pour toi. Donc, Q1 est terminé. On va regarder qui fait partie des éliminés. Et donc nous avons Felipe Nasser, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo hein, qui est éliminé, la Red Bull qui a chié dans la colle, et puis les deux Manor. Hein. Donc putain, une petite surprise quand même pour Fernando et Daniel. Je pensais que ils auraient pu passer en Q2, mais visiblement c'est pas le cas. Ok Cyril, je passe en super tendre et puis on va aller faire, on va aller tâter du bitume. Bon, ceux qui n'ont pas follow la chaîne encore, hein, je vous invite à cliquer sur le petit follow qui va bien. Parce que ça me fait bizarre de pas avoir de petit follow le soir. Là. Je m'étais habitué. Si tu veux, je peux me défollow, je me refollow. Hein. Ah d'accord, ça y est. Merde, ça s'est envoyé, ouais, tant pis. Ouais, les trois types de gommes, comme le dit Frédéric Bricard, les trois types de gommes disponibles ont permis un peu plus de spectacle. Et c'est d'ailleurs ce qui a foutu par terre la stratégie de Ferrari, je pense. Hein. Ah ouais, Zgoom 09, ça me dit quelque chose ça. Zgoom, en fait, il avait bien commencé, il avait fait une petite série aussi de vidéos sur de la Formule 1 et c'était plutôt prometteur. Il s'est arrêté un long moment et puis après il est revenu et là je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas s'il continue à faire des vidéos. Il a combien? Il a 67 vidéos, 1264 abonnés. Dernière activité il y a 3 jours. Ouais, il a repris l'activité alors. Ouais, projet de car. Ouais, il y a 10 mois la dernière vidéo. Ah quand même. Ah, pourquoi ils mettent il y a quelques jours la dernière activité, la dernière vidéo c'est 10 mois. Peut-être c'est, ça. C'est quelqu'un qui a commenté une vidéo récemment. Okay. Ah ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, donc à mon avis, lui, ouais, il est... Il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas s'il continue ou pas. Mais il était jeune, lui, il me semble, aussi. D'accord. Ah, c'est sûr, quoi, t'en as qui commencent, après ils s'arrêtent parce que ils font autre chose. Bah, les études, surtout. Voilà. Bon, c'est un délire d'un moment, ils t'abandonnent, aussi. Et un follower, Landini56, bah voilà, il suffisait d'en parler. Merci pour le follow. Eric te dit de bien faire chauffer tes pneus et d'être prudent. Ouais, bah ouais, Cyril, je fais ce que je peux, mais en fait, je suis gêné par Sainz et Massa devant. Du coup, je peux pas attaquer à fond. Ah, bah voilà, c'est le festival des followers. Ça y est, tu vois? Merci à toi, Kif. Oh, Kifron Gaming. Bon, ça se passe déjà mieux que Monaco quand même. Deuxième place, la quatrième. Positif. Fuel, we'll need to return to the pits within the next couple of laps.
Il y a Cyril qui dit c'est bon, tu peux rentrer au box après ce tour. Ok Cyril, message reçu, juste histoire d'enfoncer le clou et finir ce tour là. Les pneus super tendres vont bien. Qu'est-ce qu'il se raconte sur le Top Music? Ouais, Ferrari aurait dû gagner la course, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il n'y avait pas eu cet incident avec Alonso, avec la safety car, le drapeau rouge, à mon avis, et puis bon, encore une fois, l'histoire des pneus, à mon avis, Ferrari gagnait. Et ils auraient pu faire même un doublé si Raikkonen n'avait pas eu un problème avec sa monoplace. Westermania, je sais pas quoi là, oula. Vivement Westermania, The Phenom. Passionné de catch apparemment. Ah d'accord, ok. Ah ouais, non, c'est moins mon truc là. Salut Angelo. Alors on va faire les comptes. Ah ouais. Ah, il faut que tu lui montres le pourcentage aussi des pneus à Siri. Ouais. Pas de soucis. Dès que j'ai la main. Chrono, ah, comme quoi les meilleurs chronos d'une partie à une autre, c'est aléatoire. Ouais, c'est clair. Par rapport à moi, ils font une seconde de plus. Enfin, toi, c'est une 16, moi, c'est une 17. Meilleur chrono. Ah ouais? Ouais. Alors tu vois Cyril, l'usure au bout du nombre de tours là, qu'on a fait, c'est 9%. Donc c'est grosso modo un peu plus de 1% au tour. Et sinon au niveau du comportement de la voiture, elle est parfaite. Elle me convient parfaitement. Quand on fait passer la fin de la séance en accéléré, hein, parce que je pense pas que on ait de quoi s'inquiéter. Et donc la séance qui se termine. Alors combien je pense être, j'espère au moins être en P5 ou P6 sur la grille. Voire mieux, hein, ce serait bien, mais... Et donc là, parmi les éliminés, on a Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Jenson Button et mon coéquipier. Mon coéquipier qui tourne 2 secondes moins vite que moi autour. Racing News, 500 abonnés, ça monte petit à petit, mais ça monte bien, hein, donc faut continuer sur cette lancée, ça va venir. Hein.
Il n'y a pas de raison. Puis c'est vrai que l'interview avec Maxou, je sais pas si lui a retweeté, partagé votre vidéo. Moi, je sais que je l'ai fait, donc ça a peut-être certainement aussi amené un petit peu d'abonnés. Qu'ils ont 500 abonnés. Racing News. Sur YouTube, ils n'ont pas 500 abonnés. Je sais pas, je suis pas allé vérifier. Regardez tout à l'heure, je crois pas que j'ai vu. Bon, il parle d'un autre truc, je sais pas. Ouais, mais pas sur cette page, chaîne. Ah, Ah, d'accord. bah, si vous avez d'autres chaînes, après, là, c'est autre chose. Alors, il va y avoir du spectacle en course. Ouais, c'est sûr, il y a des chances. Allez, on va passer à Q3. Si on peut faire Angel entre la 4 et 8e place, on sera content. Et pour Q3, tu peux prendre un nouveau train de pneus super tendre. Bah, j'imagine que. Salut, Will. Et merci pour le follow. Bah, tiens, ça, c'est le chef de la team déjantée. Je vous en ai parlé plusieurs fois depuis le début de la soirée de la team. Et on a le chef qui vient de s'abonner. Et Papy Geek, il est là! Comme ça fait plaisir. Petit surnom. Allez, on va prendre la piste. Parce que je t'ai host sur ma chaîne, sur la chaîne de la team. Ah ben, parfait. Comme ça au moins. Ah, mettre le mélange riche. Répartition du frein vers l'arrière. On va mettre toutes nos chances de notre côté, on va pas faire 50 tours. Hein. C'est mon fils, eh ben dis donc, y a tout le monde qui a hosté. Waouh, une folie. Restons concentrés. Ou peut-être du. Ah, mais tu vois, Lindy veut faire autant, il veut faire du Porta Knight. Sérieux? Ouais. Merde. Il m'a pété mon projet, tiens. Il déconne pas, j'avais dans l'idée de faire ça avec Padruk. Après, on peut le faire avec lui. Bah ouais. On le fait à plusieurs, ça peut être sympa aussi. Bah, plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Ah, c'est ça, hein. Plus on rit, plus on est fou, je sais pas, mais. Donc, plus on est de fou, moins y a de rire. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être cool à plusieurs. Mais en priorité, c'est raffiné. De fou et proche de l'asile. C'est pas faux. Aussi. Et il a dit ah ok je le garde pour ma chaîne le perso sinon. Non non pas de soucis. Non bah ouais. C'est une bonne intro et si pendant son live, à moins qu'il veuille faire vraiment un truc suivi dessus. Si il veut parler d'un prochain truc en coop qui sera sur nos tranches de live. Bah ouais, si on peut le faire avec lui, franchement, c'est bien. Après, le but aussi, c'est aussi de partager des trucs ensemble aussi. Bah bien sûr. Mais après, soit il veut faire son truc et puis faire une suivi sur sa partie à lui. Et après, on peut se joindre à sa partie. Soit c'est juste un truc découverte et puis à ce moment-là. Ouais. Nous, après, on fait ce qu'on avait prévu. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, Racing, qu'est-ce qu'il dit? Angel, toi, avec Cédric, il y a des nouveaux projets? Oui. On va lancer un sondage très prochainement sur les pages de. Des réseaux sociaux Twitter et Facebook
un sondage pour que vous choisissiez dans quelle écurie vous voulez nous voir évoluer, parce qu'on va faire une saison co-op sur F1 2015 avec Cédric. Et ce sera le mercredi soir en live, et un mercredi sur deux. Et monsieur Shooter, ce qui dit bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est pareil. Salut Shoot, donc Shoot, Shoot c'est mon petit Shoot. Il me semble qu'il était l'autre soir sur le... comment s'appelle le jeu là, tu m'as dit là, quelqu'un qui streamait, j'en sais plus. Et ben c'était, c'était Borderlands 2, voilà, Borderlander. Ah ben y'a il qui dit si tu veux on en parle après. Ouais, y'a pas de soucis. Ah ouais comme ça ouais, moi je te dirai un petit truc. Bordel ouais. Est-ce que l'écurie le bâtard. Est-ce que l'écurie de l'OM existe? Si oui, prends la pas car tu risques d'avoir un souci de moteur. Non, Ferrari, sinon il a dit Ferrari c'est la base. Bon alors qu'est-ce que ça dit? Ça va évoluer dans quel sens cette qualif? Ah ce phénomène il est chaud. Dis shoot, on t'a bien tiré, ok je sors. Ah ça, pas ça. Allez, il reste 2 minutes dans la séance. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les pilotes? Regardez Nico Rosberg. Nico Rosberg qui est dans son tour d'installation. Bon tac tac hop hop. Excellent le cheval cabré. C'est un peu Zoro, c'est ça qui est bon. Il va quand même falloir que je regarde pourquoi ça merde hein, le Wizbot là par rapport à la dernière vidéo, parce que il y a un truc qui chie là. Ouais, Wizbot il a craqué, ouais. Je sais pas ce qu'il y a. Ça fait déjà deux lives que je fais qu'il n'arrive pas à me sortir la dernière vidéo sur YouTube. Ça a marché au début, mais là. Ravir la pole par Rosberg. Rosberg a fait un meilleur troisième secteur. Et Raikkonen aussi qui vient d'améliorer et qui vient prendre la deuxième place. Sinon je suis plus rapide que... ouais, y a Lewis Hamilton qui peut encore me faire descendre. Et Felipe Massa. Mais la séance est terminée et du coup on partira. Salut Margot, bah ça fait plaisir, je vois qu'il y a du monde. What a drive by Nico Rosberg. He's got the fastest lap. Et ben on partira troisième les amis. Place sur la grille. Félicitations. Ouais Shooter, t'as raison, je finirai un bon dernier, ça va être bien. Ouais, moi aussi j'ai cru un petit peu à la pole, enfin je m'attendais plutôt à ce que ce soit Rosberg et Hamilton devant, mais Kimi Räikkönen il a créé la surprise. Hamilton il est loin, hein. 1.18.